Et bonsoir tout le monde, c'est Picty, bienvenue sur The Witness, le troisième épisode. Et donc, dans le dernier épisode, on s'était arrêté ici, dans... Voilà, dans des espèces de labyrinthes où il y avait des... Il y avait des casse-têtes dans les casse-têtes, en fait. C'est un peu ça le délire, et c'était vraiment incroyable. Et donc, et ben, nous allons poursuivre notre aventure sur cette île. Alors on va descendre les espèces. Oh, on est sur des échafauds. Alors, par là on a l'air d'être bloqué. Ah, bonjour monsieur. C'est un vigile. Alors, bonjour. Alors là, c'est réservé au service prestigieux. À la cour. Voilà, je suis prestigieux. Qui sont ces gens? Eh mais c'est pas très gentil ça! Qu'est-ce que c'est que c'est? Oh là! Qu'est-ce que c'est que... C'est très curieux. Ah il a un... Ah il a un... Il a un home d'escrime. Croirait. Ouais c'est... Quoi un home d'escrime. Bon bref. Alors qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, ça me sert à quoi? J'ai l'impression que ça sert à quelque chose. Ça sert à rien. Je sais pas ce que j'ai fait. Oula. Il se passe des choses. Un nouvel élément de gameplay. Oh! Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ah ouais, d'accord. Mais comment je fais pour plus que ça marche comme ça? Ça remet à zéro? D'accord. Ok, donc ça c'est un reset en fait. Donc. Ah ouais! Putain, faut vraiment que je pense à prendre un papier et un crayon parce que pour ces trucs là ça va être vraiment cancer de se souvenir du chemin à faire de tête. Comment je vais me démerder du coup? Ouais, je vois à peu près le chemin à emprunter. Faudrait faire tac 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 tac. Bon, je vais essayer. Alors attendez, je vais essayer, mais je suis pas sûr. Normalement ça doit être ça. Et ensuite la sortie c'est par où? C'est par là? C'est bon! Ça marche! J'ai bien retenu, c'est bon. C'est bien ça ce que je voulais faire. Nickel! Salut Joe Lagratte. Oh! De la philo! Bonjour. I boasted among men that I had known you. They see your pictures in all works of mine. They come and ask me, who is he? I know not how to answer them. I say, indeed, I cannot tell. They blame me, and they go away in scorn. And you sit there, smiling. I put my tales of you into lasting songs. The secret gushes out from my heart. They come and ask me, tell me all your meanings. I know not how to answer them. I say, ah, who knows what they mean? They smile and go away in utter scorn. And you sit there smiling. Rabindranath Tagore, 1910. Ce sont des citations historiques dont je m'en bats les couilles. Voilà. Mais bon, pour ceux qui veulent... Moi, pour le moment, ça m'intéresse point. Bonjour. Ah, encore du reset. Ah ouais, merde. Bon, il a pas l'air bien complexe. Attendez. Nier.
Je veux juste faire un test en fait. Mais ici c'est cassé. Mais c'est cassé. Du coup c'est trop dur. Ah les bâtards. C'est pas cool du tout en fait que ce soit cassé. Ça aurait pas été cassé, ça aurait été tout bidon. Parce qu'on aurait pu faire une ligne droite jusqu'à la fin en fait. Mais le fait que ce soit cassé, ça va nous compliquer de ouf la tâche. Ouais, ça va être chiant. Du coup, comment je la joue? Attendez, on va... Alors, nous commençons ici. Si ça serait pas cassé, on aurait pu faire tac, tac, le problème aurait été résolu. Mais du coup, on peut faire juste tac, tac, tac. Celui-là, on peut pas du tout l'enfermer, en fait. Du coup, comment allons-nous faire? Tac, 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 tac. Merde alors. Alors, si je fais... Tac. Non, ça passera pas. Putain, je vois pas pour le moment. C'est vrai que ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Hein. Le fait de pas pouvoir tracer de trait... De pas pouvoir faire de test directement, ça devient tout de suite plus problématique. DJ Picouz. Non, sincèrement, je sais pas. Bordel de merde. Parce que si je fais ça... Ah, quoi que si je fais ça... Ils sont à l'extérieur, ils sont à l'intérieur... Bon, on va tenter. Du coup, faudrait que je fasse... Attendez que je me remémorise le trajet. Ouais, peu importe après. Tac. Non plus, t'es en train de me dire que ça a pas marché? Ah si. Bon, je suis pas sûr de mon coup. Hein. Non, apparemment ça ne marche pas. Allons voir pourquoi. Alors, pourquoi ça ne marche point? Eh, parce que, ouais, d'accord. Ok. Il y a du blanc et du noir qui sont confrontés. Du coup, il faudrait que là, je fasse une ligne en fait, comme ça, et je remonte comme ça et comme ça. Du coup, je fais la même chose. Je revais tout en bas. Je vais une case après, je remonte. Ok, on va faire ça comme ça. Je fais exactement le même pattern, mais je continue en bas. Alors. Tac. Alors là, je continue. Là, je vais là et je remonte à la moitié. Normalement, ça devrait être good. Nice. Nice. C'est bon. On s'en sort, on va juste explorer là. Hein. Ouais, après c'est un peu le même système. J'aime bien cet endroit, ça a l'air ouf. Et ah, apparemment à la fin, on va peut-être pouvoir lancer un nouveau rayon. Ce qui pourrait être incroyable. Descendons de cet échafaud pour
Ah, y'a un truc ici. Y'a tellement de trucs à explorer partout en même temps. D'accord. Y'a-t-il des choses à faire dans l'eau ? Pas l'impression. On arrive dans le bayou après. Dans les marécages. Petit bateau abandonné. Waouh. Ah, l'instant philosophique. A ship owner was about to send to sea an emigrant ship. He knew that she was old, and not well built at the first. That she had seen many seas and climes, and often had needed repairs. Doubts had been suggested to him that possibly she was not seaworthy. These doubts preyed upon his mind and made him unhappy. He thought that perhaps he ought to have her thoroughly overhauled and refitted, even though this should put him at great expense. Before the ship sailed, however, he succeeded in overcoming these melancholy reflections. He said to himself that she had gone safely through so many voyages and weathered so many storms that it was idle to suppose she would not come safely home from this trip also. He would put his trust in Providence, which could hardly fail to protect all these unhappy families that were leaving their fatherland to seek for better times elsewhere. He would dismiss from his mind all ungenerous suspicions about the honesty of builders and contractors. In such ways, he acquired a sincere and comfortable conviction that his vessel was thoroughly safe and seaworthy. He watched her departure with a light heart and benevolent wishes for the success of the exiles in their strange new home that was to be. And he got his insurance money when she went down in mid-ocean and told no tales. What shall we say of him? Surely this, that he was verily guilty of the death of those families. It is admitted that he did sincerely believe in the soundness of his ship, but the sincerity of his conviction can in no wise help him, because he had no right to believe on such evidence as was before him. He had acquired his belief not by honestly earning it in patient investigation, but by stifling his doubts. And although in the end he may have felt so sure about it that he could not think otherwise, yet inasmuch as he had knowingly and willingly worked himself into that frame of mind, he must be held responsible for it. William K. Clifford, 1874. Voilà, voilà. Donc, bah, bravo. Bravo le conducteur du navire, voilà, qui s'est fait des pensées incroyables, voilà. Voilà, les gens sont morts, bravo monsieur. Bon, ça a l'air d'être une énigme donc je ne vais rien comprendre. Peut-être qu'il faut tout simplement prendre les noirs après. Ah, pourquoi je peux pas passer là? Tu m'expliques, connard? Pourquoi je pourrais... Ah, peut-être parce qu'en face, il y a un truc. Peut-être parce qu'en face, il y a en fait. Il se passe quelque chose, mais c'est invisible. Bah oui, sinon ce serait trop simple. Du coup, si c'est invisible, on va essayer de le prendre comme ça. Comme ça. Ouais, donc là, on est confronté. Merde, comment je pourrais faire? Genre comme ça? Non, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça. Hein? Ah oui, non. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non! Pourquoi?
Pourquoi ça ne marcherait pas? Aussi avec les oranges en fait. Allez! Et voilà! Easy! Je suis vraiment le meilleur! Je pense que ces trucs-là, faut les noter. Mais je sais pas, je sais rien où les noter! Ah si! J'ai dû. J'ai des papiers là. Mais je crois que j'ai pas de crayon, putain de merde! Picouze à la recherche d'un crayon. Oh putain, merde. Je crois que j'ai pas ça chez moi. Ah si, j'ai une trousse là. Voyons voir ce qu'il y a dans la trousse. Voyons voir ce qu'il y a dans cette trousse. Bon, déjà cette pêche. Voilà, on va déchirer cette page. Excusez-moi, c'est important je pense pour avancer dans le jeu plus tard, donc va falloir qu'on note ces espèces de plans, sinon ça va nous faire faire des allers-retours. D'ailleurs, j'ai pas noté l'entre-plan, faudrait peut-être que je regarde le... Je crois que c'est dans le premier épisode, faudrait que je remette le premier épisode que j'ai fait. Alors, ouais, j'ai mis ce stylo là-dedans, mais alors ceux qui marchent... Est-ce qu'il y en a qui marchent? Et on va dire que toi tu marches, on a confiance en toi. Ok, il marche. Alors... On va faire un petit rond comme ça. Ça fait toc. 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 Voilà, bon, c'est approximativement ça que j'ai fait. Hein. Allez, on va pouvoir continuer. Bonjour. Y a pas des cadavres par terre? Cet endroit est très glauque. Bon, allez, barrons-nous. C'était juste histoire de me balader, moi, là, à la base. Hein. Par où on sort? Garde à l'heure. Tu ne t'enfuiras point de ce bateau. Ah oui, ça doit être par là. Ah, j'étais tombé dans un petit trou. Bon allez, retournons dans... C'est une prison en fait. Encore une sorte de prison, là, vu de l'extérieur comme ça. Bah, peut-être qu'on a eu des indications avec la télécommande tout à l'heure, mais j'ai pas trop écouté. Excusez-moi, j'étais en train de boire. Et du coup, vu que c'est un micro-casque, j'essaie de remonter mon micro pour pas que... Vous m'entendiez engloutir ce rafraîchissement somptueux. Ah, salut! C'est des poubelles ou des sacs de quoi? Qu'est-ce que t'as dans tes sacs, ma belle? Enfin, ma belle... Là, c'est... Ou mon beau? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah. Ah non, mais moi, les Rubik's, je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Ah non, 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 non. Non, 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 moi, je connais pas encore. Non, 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 non. Je connais pas. Bon, bah barrons-nous d'ici, vu qu'on... voilà, j'ai pas eu les indications de ce qu'il faut faire avec les Rubik's Cube, j'ai pas encore dû découvrir la zone. Donc monsieur les hommes de pierre, au revoir. Voilà, au revoir. Ce fut un plaisir.
On se dit à la prochaine. Je viens d'ici. Ah, peut-être. Je me souvenais pas que c'était aussi beau l'entrée. Bon. Le moulin, on avait déjà fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Bah, beaucoup de choses, vous me direz. Oh, c'est quoi? C'est une crypte ici? On n'a pas l'air d'être les bienvenus. Les petites maisons, on avait déjà exploré ça. Je peux pas m'en aller d'ici. Ah, et puis, est-ce une entrée par là? Apparemment, oui. Il se passe des choses. Voilà, c'était easy à faire. Pourquoi je peux pas? Le bourgeois? Ah, faut peut-être celui qui éclaire en premier. D'accord, c'est pas la solution. Pourquoi c'est pas la solution? Où est la solution? Mettons-nous bien droit. Peut-être que... il faut prendre un angle de caméra spécifique. Je ne sais pas. Non, je sais pas. Un mec qui est en train de se noyer, on dirait. Bon, le temple, je sais pas trop pour le moment. Mais moi, j'ai envie de découvrir ce qu'il faut faire avec les blocs de Tetris. Moi, c'est mon objectif, là. C'est pas d'ailleurs là-bas que j'ai commencé. Si, je crois que c'est là-bas. Eh oh! Pardon. Eh oh! C'est un verre d'eau assez bizarre, hein, comme verre. C'est un verre d'eau ou pas? Je sais pas. On croirait un verre d'eau. Oh, c'est Romulo. Il voulait son verre. Tu veux ton verre, Romulo? Ah, c'est un verre doré. Doré. Légendaire doré. Bon. Moi, je retournerai bien vers la zone du début pour voir si j'ai pas oublié beaucoup de choses. Oh! Ah, d'accord. C'est quand même étonnant. Moi, je trouve ça incroyable. Incroyable, à mon avis, il faut se poster là-bas. Ah, il y a un truc là. Oh, c'est un double, on connaît ça. D'accord. Pourquoi? Je me dis, ça allait être un peu trop simple. Et pourquoi tout à l'heure je pouvais là-bas, mais pas maintenant? Je sais qu'avec le soleil et tout, il y a des choses... voilà, mais... mais quand même... ah. Non, mais je connais pas les blocs jaunes. Je sais pas ce qu'il faut faire. J'ai pas eu le tuto. Ah, je veux le tuto. Je veux le tuto. Bon, apparemment, c'est là d'où on vient. Par ici, c'est là d'où on vient. Voilà, ici je connais. Il y a les panneaux bleus qu'on a déjà fait. Les panneaux verts que nous avons fait aussi. D'ailleurs, il faut que j'aille rechercher ici, on avait découvert quelque chose. Qui était ceci? Et qu'on va noter sur notre petit papier. Alors, tic, 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 tic.
Voilà. Ça c'est fait. Bon. Maintenant, go aussi trouver la suite, hein. Donc le faisceau, il nous indique où est-ce qu'on a déjà trouvé des choses. C'était pas d'ailleurs dans le moulin où on avait la possibilité de faire des trucs qu'on avait trouvés comme ça? Je ne sais plus. Ah là, il y a un truc qu'on n'a pas fait. Est-ce que c'est la pomme? Il faut aller jusqu'à la pomme? On va essayer. Ça a l'air d'être ça, franchement, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Du coup... Pomme serait là. Oh oui! Nice! Ça met nous. Oh! Encore un autre! Il est où? Hein? Alors. Gauche, droite, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Voilà. Allez plus haut! Petite pomme. Petite pomme. Merde, après, dans quel sens faut la regarder? Alors. Déjà, elle est dans gauche. Droite. 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 Gauche, droite, droite, droite. Ah, on a ouvert un nouvel accès. C'est cool ce truc avec les pommes, j'aime beaucoup. Je suis content d'être venu par là. J'aime bien, c'est cool, c'est gentil. Alors. Gauche, droite. Entendez. Gauche, droite, droite, gauche. Hein? Non. Il y avait beaucoup plus de trucs que tout à l'heure, en fait. Alors active-moi ça, José! Mais pourquoi tu ne veux pas, là, du coup? Nye? Pourquoi il y en a, ils sont bizarres? Ouais, lui, il en a qu'un. Ah, d'accord! En fait, celle qui a qu'une branche, c'est pour nous indiquer la branche cassée. Et du coup, si la branche cassée, c'est celle-ci, du coup, il faut le regarder de ce sens-là. D'accord. C'est vrai que j'ai pas du tout fait gaffe à ce détail. Il va falloir jouer sur les détails, comme d'habitude, sur les jeux de casse-tête de Jonathan Blow. Hein. Et du coup, si on se dirige comme ça, ce qui nous donne du droite, gauche, gauche... Et droite. Droite, gauche, gauche, droite. Alors. Droite, gauche, gauche et droite. Voilà. Nice. Alors ensuite. Il y a deux branches cassées, dont une grande cassée. Bon. Alors, c'est qui a la pomme? C'est toi qui a la pomme? Il n'y a pas de pomme. Et mon petit, où est-ce que t'as mis ta pomme? Dis-moi tout, mon petit. Merde alors. Y a pas de pomme! Oh, y a des bouts de pomme! Bordel de merde, comment je vais faire moi s'il y a pas de pomme? Après, je pourrais l'offrir jusqu'à l'infini en essayant les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 possibilités, hein. Voilà, moi j'ai que ça à faire, bien entendu. Ou peut-être cet arbre-là. Pas du tout. Mais non, mais je vois pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui pourrait être l'indication qui pourrait nous dire que c'est...
Ah, je pense savoir parce qu'il y a une branche. Regardez, les branches cassées. Elles correspondent toutes sauf une qui est cassée et que là, elle n'est pas cassée. Donc c'est celle qui est là, celle-là. Celle-là elle correspond, celle-là elle correspond. Là, il y en a pas, donc ça correspond aussi. Vous voyez, là ça correspond, là ça correspond. Là, il y en a pas, ça correspond. Et c'est donc celle-là. Donc c'est c'est droite, gauche. Droite, gauche, droite et gauche. Et voilà, j'ai trouvé la celle. Trouver l'erreur, c'est un peu ça le délire. Bon, plutôt cool. On avait déjà été dans ce moulin, hein, on est d'accord. Peut-être s'il y a un autre moulin, je ne sais pas. On va manger un peu de pommes. Oh! Une branche cassée. C'est quoi, c'est des bonsaïs? Bonsaï! Oh là là, des cœurs humains avec des racines. Dites-moi, c'est un peu glauque tout ça. Bon. Voilà, Picti, t'es arrivé là. Ah, il y a encore un câble. Nous, mais nous. Je sais pas. Il y aurait. Parce que là, ça a ouvert la porte, c'est gentil et tout, c'est mignon, mais la porte, ça nous mène nulle part en fait. Après, souvenez-vous le moulin. S'il y a une porte, mais de toute façon, ça nous mènera nulle part. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Le moulin, il y avait deux directions possibles. Fallait allumer deux trucs, mais on pouvait pas les allumer à la fois. Donc peut-être maintenant, je peux le faire. Je ne sais pas trop. Ça me semble bizarre que je puisse aller ici, mais je ne peux rien y faire. C'est vraiment bizarre. Bon. On va pas rester là éternellement, je pense. Allons-nous-en. C'était quand même sympa, c'était ces énigmes avec les... Avec les pommes. J'ai résolu plein de nouveaux trucs, hein. Avant, ça brillait pas autant, tout ça, comme ça, j'ai l'impression... Mais moi, ce qui m'intéresserait, ce serait d'apprendre les Rubik's Cube, là. Et les Tetris blocs. On va retourner par là. On avait déjà fait l'énigme avec le soleil. Ça, j'ai jamais compris à quoi ça servait non plus. Il y a peut-être des indications en bas. Je vois pas trop le délire. Ouais, qu'est-ce qu'il faut que je... Comment je suis censé trouver une solution en fait? Tell me! C'est quoi la solution? Je sais pas.
Ici c'est fermé. Je crois qu'ici il n'y a rien de spécial. Bon, bon, bon. Je stagne pour le moment. Allons ailleurs. On repassera dans ces endroits quand on en saura un peu plus sur certaines choses. Je vais juste monter en haut parce que ça m'intrigue là ce truc sur le côté. Non, on peut pas le voir d'ici. On peut pas le voir d'ici. C'est nul. D'ailleurs, ça fait une tête de bonhomme, ça. C'est rigolo. Hein ? Genre, j'ai réussi ? J'ai fait ça au pif. Alors, pour vous décrire ce que je voulais faire, je voulais reproduire ce espèce de truc là. Où j'ai fait ça, 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 et puis après j'ai essayé de faire un truc comme ça quoi, mais. Je pense que c'est vraiment de la luck. Putain, je suis trop un locker. What the fuck? Bon, attendez, essayons de trouver un truc rationnel comme quoi ça marche. Pourquoi ça marche? Qu'est-ce qui me fait dire que ça marche? Parce que là, si on prend celui-ci. Je sais pas ce qu'il faut faire. Parce que c'est bien gentil que j'ai trouvé la solution pour un en mode grosse chatte. Mais je pense pas que ça, c'était la solution. Parce que ça, si c'est la solution, c'est quoi la solution pour ça? Est-ce que c'est ça? Ah, il faudrait faire un pâté comme ça, là, le bord incurvé. Mais non, ça n'aurait pas de sens. Et pourquoi ça, c'est ça? Mais merde à la fin, j'ai réussi un truc, j'ai rien demandé. What the fuck? Mais j'ai trop de luck en vrai. Après, à voir si... Enfin, à voir comment on pourrait trouver cet indice qui nous indique que c'était la bonne réponse. Ça, ça peut être intéressant. Mais là, de vous à moi, je ne vois pas comment... Non, je vois pas. Bon. On va le laisser de côté comme ça. Je l'aurais réussi. Dans la chatte la plus absolue. Mais je l'aurais réussi. Et comme ça, si on revient et qu'on aura des indications en plus sur le jeu, peut-être. Que je serai. Alors, ici on arrive. Un espèce de chemin de fer. Qu'on ne connaît pas encore cet endroit. Il y a l'air d'avoir des tableaux en bas là. Cool. Allons-y. On va trouver un passage. J'ai pas envie de descendre tout en bas. Ah, quoique, ça a l'air cool. Une cheminée. Il y a un espèce de cube jaune là-bas. Mais le cube jaune, je crois que c'est le truc qui lance le laser. Le laser. Ah non, mais ça, je sais pas. Hein. Oui, bah oui, bah, hé. Hein. Quoi? Ah
Ah, mais c'est parce que le truc est pas complet. Il y a deux trucs à déverrouiller là. Ah, d'accord, je suis tombé. Moi, j'ai essayé de trouver la réponse. Je fais, mais il y a que trois choix possibles. Pourquoi il m'encule là? Mais apparemment, vu les petits symboles de Tetris, ça doit être ici qu'on va apprendre les symboles de Tetris. Hein, j'espère. Ce serait trop bien. Par contre, je regarde juste. On en a 40 minutes. Ah, oh, bah je pense. On va aller en bas. Puis je vais terminer l'épisode. J'ai envie de faire des épisodes de 40 minutes. Ça me semble être un bon format. On va pas aller en bas. Mais pourquoi? Mais ouvre-moi, merde! Je suis gentil! Moi, donne-moi des énigmes, moi! Donne-moi à bouffer, c'est ce que je veux, là! Par où on pourrait passer? Par ici? Non. Là-bas, il y a des portes fermées. Mais merde alors, moi, je veux faire des énigmes, nourris-moi! Il y a l'air d'avoir un truc, là. On peut pas y aller. Bon, on va faire le tour. Ah, quoique, on peut peut-être y aller, en fait. D'accord, pas du tout. C'est fermé. Et là, ça ne sert à rien. On fait le tour. Cette arme est vraiment cool, par contre. C'est tellement beau. Un jour, je vais réussir l'énigme. Ah, apparemment, l'entrée, c'est ici. Je peux pas passer, putain. C'est chiant. C'est bon, j'arrive. Oui, j'arrive pour terminer l'épisode. Au pire, je vais juste essayer d'ouvrir la première porte. Merde alors. Il faudrait faire ça comme ça, mais faudrait que je termine là-bas. Donc je sais pas comment terminer là-bas. Comment je vais m'y prendre là? Je suis obligé de faire un truc comme ça déjà. Ah, on va le couper en deux. Voilà, on le coupe en deux. Nice. Oh, les cubes de Tetris. Bon, allez, on va essayer de comprendre le mécanisme et s'arrêter là. Alors, est-ce qu'il faut faire les cubes, genre un cube comme ça. Et là, du coup, il me demande de faire un cube comme ça. Non. On essaye. On fait ce cube-là. Et là, on fait ce cube-là. Pas du tout. Je vois pas. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Enfin, excusez-moi si je touche mon micro avec mon dos. Merde alors. Je comprends pas. Mais je comprends pas! Putain, ça me fait chier et je vois pas en fait du tout
comment on doit procéder pour ces trucs-là. Là, je fais le premier bloc. Non. De toute façon, le premier bloc fait 3 de hauteur. Déjà, je suis trop con, en fait, depuis tout à l'heure. 2, 3... Non, c'est pas ça. Je vais partir déjà du fait qu'il fait 3 de hauteur. 1, 2, 3. Là, on a notre premier bloc. Après, le deuxième, je sais pas trop comment ça fonctionne. Est-ce qu'il faut faire le deuxième genre comme ça? Est-ce qu'il faut dessiner les deux blocs? Si je dessine les deux blocs, ça me fait un truc comme ça, quoi. Ah, j'ai peut-être une idée. On fait ça comme ça. L'autre, on le superpose. On le superpose, donc il serait comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, on aurait nos deux blocs. Et pas du tout. Je me dis, celui-là, il est 1, 2, 3 là. Et l'autre, il serait 1, 2, 3, 3 là. Non, franchement, je vois pas. Ou alors, peut-être faut faire la même, mais faut le faire plus par là. Mais non, ça ferait pas de sens. Là, on a un bloc. Là, on en a un autre. Bon, je comprends pas. On verra ça dans le prochain épisode, donc j'espère quand même que cet épisode numéro 3 vous a plu. On aura résolu quelques trucs, des trucs avec des pommes, des trucs avec des plaques, des trucs dans des bateaux. Et donc, voilà. Eh bien, je vous dis, portez-vous bien, admirez bien cette merveilleuse vue, et à la prochaine. Salut tout le monde. C'est tellement beau.